dans plus d'une trentaine d'années, montait à l'échalot. À Chabès, un prêche et ses manières, tout stade des ponts sur la hauta, luttait des couleurs. Quand mon père est mort il y a pas mal de temps maintenant, il ne savait rien, il n'avait rien transmis. Donc moi, ça m'a énervé. Je suis d'abord allé faire la généalogie de la famille. J'ai commencé à faire quelques conférences. Et ensuite, on dit, ben, on pourrait essayer de faire un enseignement continu. Donc on a commencé des cours une fois par mois, tout ça. Petit à petit, ben, j'ai commencé à connaître les langues. Autour de moi, mes parents ne la parlaient pas, mais les voisins, tout le monde autour parlait cette langue, qu'on appelait patois, mais c'était une langue. Et du coup, c'est quelque chose qui est... C'est une sonorité que j'ai dans la tête, qui sonne bien, qui est belle. Je viens d'une famille de bretonnants. J'ai entendu cette langue depuis mon enfance. J'ai baigné dans les sonorités, la musicalité de cette langue. Et en grandissant, donc, j'ai pris conscience que, bien que c'était mon environnement, ben, j'étais incapable de reproduire quoi que ce soit dans cette langue qui finalement me paraissait plutôt étrangère et étrange. Et je n'ai pas bien compris pourquoi cette langue devait s'arrêter brutalement à moi. Je me suis mis à l'apprendre pour connaître un petit peu l'histoire, la langue de mes ancêtres, pour connaître leur manière, peut-être trouver leur manière de penser, et surtout permettre à la culture, par ce biais à la culture bretonne, de perdurer en moi. Bah, j'ai trouvé les termes corses, parce que... des Corses, et puis le truc c'est qu'on va au village, on ne sait pas parler, donc à un moment donné on a envie d'apprendre, de pouvoir échanger avec les vrais du village, quoi. Et c'est bien de pouvoir retrouver aussi un peu de la Corse chez soi, quoi. Enfin de l'île. Ma famille est corse, ma mère parle un petit peu, donc... Et moi je parle pas, et ce qui m'a beaucoup déçu, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion cette année d'apprendre, et autant y aller comme ça, après on peut échanger, puis c'est aussi une question de transmettre la culture. J'aime beaucoup la Corse, je pense que tous ici on peut pas dire le contraire, que mon grand-père était corse, et puis comme je dis toujours, je le verrai peut-être pas, mais quand on arrivera à trouver un équilibre en Corse, je pense que ça sera une belle maquette mathématique et on pourra trouver un équilibre pour le monde entier.